Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, vidéo pas du tout prévue, mais on m'a passé ce collector que je n'ai pas acheté moi, mais qu'un ami a acheté. C'est le collector de House of the Dragon, ou of the Dragon si vous préférez. La série qui est sortie sur HBO ou Netflix, enfin en tout cas je sais plus, mais sur une plateforme de streaming. Moi je suis pas du tout fan de ce genre de série ou de film. Je n'ai pas vu la série Game of Thrones, ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas très fan de tout ce qui est Heroic Fantasy. House of the Dragon, je n'ai pas vu du tout. J'ai un pote, comme pas mal de monde, qui est fan de Game of Thrones et qui a regardé la série House of the Dragon et qui a adoré, et qui s'est procuré ce collector à la Fnac. Donc il m'a prévenu, il m'a dit tiens regarde ce que j'ai reçu. Il m'a dit bah tiens tu veux pas le présenter sur ta chaîne. J'ai dit bah ouais pourquoi pas. Donc je vais vous le présenter. Alors ça va être la grande découverte parce que j'ai pas. Alors je sais qu'il y a un steelbook qui devait sortir, il y a cette version là. Donc il y a pas mal d'éditions sur cette série. Et je me suis dit bah ça pourrait peut-être intéresser quelques personnes. Alors série en 4K Ultra HD et Blu-ray en édition spéciale Fnac. Donc là pour le coup c'est exclu Fnac. Qui inclut le livre Feu et Sang partie 1, parce que oui, c'est la saison 1 de la série, un poster, des cartes des personnages, et puis peut-être aussi un steelbook ou un amarret, je sais pas. On va regarder ça, alors je vais faire le tour de la boîte. Alors déjà, le visuel avant est plutôt sympa, hein, avec un dragon, du coup. Alors le personnage, je ne connais pas son nom, ça vous pourrez me le dire dans les commentaires. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de cette série, est-ce que c'est mieux que Game of Thrones, est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est un rapport direct, ou c'est juste le même univers, je ne sais pas. Alors, au niveau de la boîte, donc face avant, le côté, vous avez encore le titre avec le logo Warner HBO. Sur le côté, c'est la même chose, avec à chaque fois le rappel Game of Thrones. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Le feu régnera, donc il y a le résumé de la série. Plus d'une heure de bonus, dont deux contenus exclusifs. Voilà, je vous laisse regarder. Donc, on a contient le steelbook. Voilà, quel steelbook, quel trash day de la saison 1. Le livre Feu et Sang partie 1. Un poster double face. 9 cartes personnages. Donc, ça a l'air bien rempli. C'est pas forcément super grand. C'est un collector quand même assez, assez balèze, mais de taille raisonnable. Allez, je déballe l'édition. Voilà, c'est déballé. Alors, je vais enlever le petit feuillet. Voilà, c'est enlevé, alors c'est fixé avec une colle vraiment, vraiment merdique. Ça a tendance presque à bimer les fourreaux, je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment une colle dégueulasse. Hein. Je préfère à la limite quand tu mets des petits scotch qui s'enlèvent assez facilement. Donc une fois que j'ai enlevé le feuillet, bon bah ça laisse apparaître la couverture complète, hein, donc qui est vraiment très très chouette. Même au niveau de la boîte, comme ça on a une très très belle finition avec un spot gloss sur le personnage, sur le titre. Bah, c'est vraiment très très chouette. Donc il y a vraiment une très très belle finition. Enfin ils ont vraiment bien fait les choses. Alors au dos du coup, au dos on a c'est un sigle hein, j'imagine, ça vous pourrez peut-être le dire dans les commentaires, mais c'est un sigle donc en rapport avec la série avec une sorte de dragon à trois têtes. Donc vraiment plutôt pas mal cette boîte. Alors ça s'ouvre par le dessus hein, comme ça, hop on ouvre et qu'est-ce qu'on a dedans? Alors pour commencer on a le steelbook, donc pareil un feuillet. Mon steelbook en 4K Ultra HD, alors est-ce que c'est que 4K Ultra HD, je ne sais pas. Non, il y a Blu-ray et 4K Ultra HD, hein. il y a bien les deux. Donc au niveau audio, c'est du Dolby Atmos True HD pour la version anglaise, du Dolby Digital 5.1 pour le français, l'allemand, l'espagnol. Il y a des sous-titres néerlandais, français, espagnol. Donc il y a pas mal de sous-titres, et puis bah, vous avez de nouveau la présentation de la série et des bonus. Donc j'ai enlevé le petit feuillet, c'est fixé vraiment avec une colle dégueulasse, hein. Je peux vous le dire, c'est une galère à enlever ce truc. Enfin bref, steelbook, qui ma foi plutôt très chouette, donc une finition mate, il y a un vernis spot gloss, vernis sélectif, hein, comme vous voulez, sur les dragons, le dragon a priori, donc qui a plusieurs têtes, ainsi que sa patte, sur le titre House of the Dragon également. Voilà, donc vraiment très très joli ce steelbook, vraiment très très chouette, ouais, vraiment bien sympa.
Vous avez sur la tranche le titre avec le petit 1, donc, parce que c'est la saison 1, le logo HBO et Warner Bros. Et au dos, donc, on retrouve le dragon. Alors, je pense pas qu'il y ait une continuité, enfin on regardera ça après. À l'intérieur, donc à l'intérieur, il y a pas mal de disques. Donc disque 1, disque 2, disque 3, disque 4. Hein, donc à chaque fois qu'une sérigraphie noire, mais bon, il y a bien la numérotation des disques sur les sérigraphies. Une fois que j'enlève les disques, ça laisse apparaître ce artwork, cet artwork interne. Donc on voit pas forcément très bien au prime abord parce qu'il y a ce petit clapet ici pour fixer les disques. Mais donc on voit les personnages du film. Hein. Bon là pour le coup, n'ayant pas vu la série, je peux pas vous dire, mais c'est plutôt pas mal comme photo. Et le steelbook à plat, donc effectivement il y a bien une continuité avec quand même une séparation au milieu donc sur la tranche. Mais il y a bien une continuité pour avoir un visuel qui est plutôt réussi, vraiment très très chouette. Ouais, bien sympa ce steelbook, hein, pour ceux qui... Alors je crois que ce steelbook est disponible également tout seul, sans la boîte et tous les goodies ou bouquins fournis avec. Allez, on va continuer de regarder ce qu'il y a dedans. Donc, on a ensuite le bouquin, donc à mon avis, qui a dû inspirer la série, Feu et Sang, partie 1. Bon, là, je vais pas feuilleter plus que ça, parce que c'est le livre, hein, donc il n'y a pas de photo, rien du tout. George R.R. Martin, Feu et Sang, partie 1. Donc, à mon avis, c'est toute l'adaptation de la première saison. Donc, édition que j'ai lue en format poche. Et ici, on a, là, on a le poster. Donc a priori donc les doubles faces comme c'est indiqué sur le feuillet. Donc sur une première face on a ce visuel là. Et sur l'autre côté on a ce visuel-ci. Donc avec, je sais bien vous montrer, voilà, avec deux autres personnages. Voilà, donc avec l'œil du dragon. Donc ça c'est pour le poster. Et ici on a des cartes qui sont assez grandes, hein, c'est du format 13-18 j'ai l'impression. Alors les photos, bon bah il y a tous les personnages de la série. Donc c'est du. Alors c'est des photos cartonnées plutôt, hein. Enfin c'est photos, oui, car c'est du carton. Donc au dos vous retrouvez les indications sur donc avec le titre de la série. Donc ça c'est la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, j'ai l'impression d'être dans les chiffres et des lettres. 6e, 7, 8 et 9. Voilà, donc vous avez tous les personnages, à mon avis, de la série qui sont représentés avec une finition plutôt correcte. Donc voilà, je vous ai tout sorti, je crois. Oui, tout sorti. Donc vous avez les 9 photos, vous avez le poster double face, vous avez le bouquin en format poche, le steelbook qui est vraiment très très chouette. Et c'était vendu, j'avais regardé juste avant, je crois que c'était vendu 59€ et je crois que chez Fnac il y avait un bon de 10€. Ou 69 avec un bon de 10€. Enfin en tout cas voilà un prix je trouve correct hein, pour une série avec pas mal de goodies, hein, notamment ce bouquin. Donc voilà pour la présentation de cette saison 1 de House of the Dragon. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ça aura pu éventuellement vous informer sur l'intention d'acheter ou non cette série, soit en coffret comme ça, soit uniquement le steelbook. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bah essayez de me dire ce que vous pensez de cette série pour que éventuellement je me penche dessus et que je la regarde hein, sur Netflix ou je sais plus où c'est présent. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et puis on va se retrouver très très vite pour plein de présentations encore là, il y a pas mal de choses qui restent à vous présenter avant la fin de l'année, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt, ciao.